Salut à tous, alors oui, beaucoup de bruit et beaucoup d'ambiance ici aussi. Nous sommes à Vissous dans l'Essonne, donc pas très loin de Paris. Alors ici le Téléthon s'est mis en mode karting. C'est une course qui est organisée, donc une course qui a commencé hier soir à 21h et qui terminera ce soir à 21h. Donc on appelle ça une course d'endurance. 24 heures durant lesquelles donc les 12 équipes qui viennent un peu partout en France vont s'affronter. Alors voilà, on va pas beaucoup dormir, mais on va récolter des fonds. On estime environ à 9 000 € les fonds récoltés pour le Téléthon. Un très bel événement, je vous propose de regarder les images. Nous avons une douzaine d'équipes engagées, ce sont principalement des sociétés et c'est l'occasion aussi pour elles de faire un don à l'AFM dans leur engagement, y compris un don de 700 € donc par équipe. Quand j'ai créé ce karting indoor, j'avais déjà l'idée de faire le Téléthon et puis ça plaît tellement aux gens que je l'ai renouvelé et on est à la 20e édition effectivement. C'est une belle initiative chaque année de Dominique Boulet. C'est super de faire ça, il y a des gosses qui sont là, on passe un peu de temps avec eux, c'est génial. Tout est réuni pour essayer d'apporter un peu de positif aux enfants, aux familles aussi, et aussi au niveau économique, financier, puisque les recettes donc en partie sont reversées au Téléthon de cet événement, donc c'est une super chose.